Bonsoir et bienvenue dans la réunion ordinaire du Conseil scolaire Centre-Nord du 23 mars 2022. Depuis plusieurs générations, la reconnaissance de la terre est une coutume traditionnelle des peuples autochtones lorsqu'ils accueillent des étrangers sur leur terre et dans leurs habitations. Pour établir des relations respectueuses, la reconnaissance du territoire est un élément important de la réconciliation. Il rend hommage à l'histoire authentique de l'Amérique du Nord, à son peuple d'origine et raconte souvent une partie manquante de l'histoire de la création de ce pays. Nous reconnaissons les nombreuses personnes des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui ont vécu et pris soin de ces terres, des territoires 6, 7 et 8 et l'ensemble des territoires de la nation Métis sur lesquels nos écoles se trouvent. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens du savoir traditionnel et les aînés qui sont encore avec nous aujourd'hui et ceux qui nous ont précédés. Nous faisons cette reconnaissance comme un acte de réconciliation et de gratitude envers ceux qui nous accueillent sur leur territoire. Le CSN aimerait offrir nos plus sincères condoléances à la famille de Sylvain Waka, notre élève de l'école Alexandre Taché, qui est décédé récemment. Nos pensées et nos prières sont partagées avec la famille, les amis, les proches, les membres du personnel de l'école et toute la communauté scolaire des écoles La Mission et Alexandre Taché. Nous aimerions prendre un moment de silence pour honorer la vie de Sylvain. Au micro. Madame la Présidente, serait-il possible d'avoir un huis clos au point 8, s'il vous plaît? Okay, oui, d'accord. Est-ce que d'autres ajouts ou modifications? Je peux avoir une proposition, s'il vous plaît? Steve propose, tous en faveur? Nous sommes tous en faveur, Laurent. Merci. Est-ce que point 4, il y a des déclarations de conflit d'intérêts ce soir? Pas de conflit, merci. Point 5, délégation du public en supplie dans vos cahiers. Donc, 5.1, délégation de la Fondation franco-albertaine. Fait plaisir de t'accueillir, M. Lavoie, directeur général de la Fondation franco-albertaine. Vous avez reçu les consignes par rapport à votre délégation. Oui, donc c'est 10 minutes, 10 minutes. Ça, on n'en sait pas. Un instant, Joël, ton micro n'est pas allumé. Et puis, je veux juste m'assurer que tu connais tout le monde autour de la table. Je pense que oui, mais on peut quand même réviser. Oui, oui, je connais. Bon. Ouais, il y a lui, je ne suis pas certain. Non, c'est quoi ça? Alors, la parole est à vous et on va commencer le décompte. OK. Avec le micro, je fais que je ne peux pas être debout, là. Oh, God, vous êtes plate. OK. Présenté assis, moi. Puis là, Jean-Marc peut continuer à fermer mon micro quand il veut, c'est ça, en plus. Bon, bonjour tout le monde. Merci de prendre le temps de nous recevoir. On a fait une présentation à la Fédération il y a quelques semaines. Le cerveau de l'équipe était Nicole Bugeois à ce moment-là. Malheureusement, elle ne pouvait pas être là ce soir. Alors, vous êtes pris avec moi. On voulait vous voir un peu avec vous où est-ce qu'on en est rendu. Je ne sais pas qui passe les slides. Qui est-ce là qui goûte? Alors, l'état de la situation. Et mon Dieu, c'est écrit ici avec mes gaz. Merci beaucoup. Oui, avec mes yeux. Et voilà. Alors, c'est ça. Juste faire un petit point avec vous. On a 15 écoles francophones en Alberta qui ont des fonds de construction identitaire. 7 écoles qui ont des fonds de bourse, 2 écoles qui ont les deux types de fonds et 3 fonds qui touchent un conseil ou ses élèves plus spécifiquement et 3 fonds qui touchent les enseignants, les élèves ou les finissants de tous les conseils francophones, sans compter les fonds de bourse évidemment. Pour le conseil scolaire Centre-Nord, plus spécifiquement, il y a 6 écoles qui ont des fonds de construction identitaire, des Rochers, Saint-Marc, Perlacombe, La Prairie, Gabriel-Roy, Claudette et Denis Tardif. 3 fonds de bourse sont gérés par des écoles, Michael Jean, le 25e de Maurice Lavallée et Jeanne et Maurice Lavallée. 2 fonds de bourse sont gérés directement par le Conseil Centre-Nord, Claudette et Denis Tardif et la bourse Henri Lemire. Et on a un fonds de prix de performance scolaire qui est la famille Moreau. La différence, pourquoi c'est un fonds de performance scolaire et non pas un fonds de bourse, c'est parce que les jeunes ne vont pas être à l'université après, ils s'en vont
On espère à Maurice Lavallée. Donc, une petite analyse de nos constats. On a constaté avec le temps qu'il y a beaucoup de la générosité des gens depuis qu'on a commencé à relancer les gens pour réfléchir à ce qu'il y avait à cœur dans la francophonie. On a constaté qu'il y a énormément de la générosité qui se dirige vers les écoles francophones, ce qui est un peu normal compte tenu que c'est beaucoup là que l'énergie de la francophonie a été mise dans les 25, 30, 40 dernières années. Alors les gens quand ils arrivent à... Et c'est aussi une des raisons de ça aussi, c'est parce que c'est un système qui est solide. Dans le milieu associatif, on a eu certains succès à Edmonton ou dans certaines régions. Il y a des régions, comme dans le sud, où c'est plus difficile. On a un peu de succès avec le Franco-Sud parce que le monde fait confiance aux écoles. Mais quand on arrive pour essayer de trouver des façons d'appuyer les organismes dans le sud, par exemple, ça fonctionne moins bien parce que l'appartenance aux organisations là-bas est moins forte. Le développement des fonds dédiés aux écoles, c'est fait de manière... C'était vraiment très, très éclectique dans le sens où, le premier, je pense, c'est quand Anne-Marie Brideau, qui était un parent à l'école La Prairie, est décédée. Ils ont créé un fonds. Ils ont décidé de créer un fonds qui est resté en développement pendant presque 10-15 ans. Puis j'ai reparlé à Claude Durève, là, 3-4 ans, en disant, allez-vous faire quelque chose? Là, il a fait une levée de fonds, il a ramassé l'argent, il a donné le fonds à l'école. Il y a des places où dans le centre-est, c'est les trois anciens présidents, c'était Vital, Réginal, puis des groupes se sont mis ensemble qui ont créé un fonds. Des fois, société de parents, le 25e de Maurice Lavallée, c'est les étudiants qui ont décidé de créer un fonds. Alors, ça s'est fait un peu en fonction des intérêts des gens. Quand les gens avaient un intérêt de créer un fonds, on le faisait avec eux autres. Ce qu'on a comme fonds présentement touche vraiment soit la construction identitaire ou la remise de bourse. Certains fonds touchent les deux. On offre à l'école, comme des Rochers, je pense, on a dit, vous pouvez soit faire une bourse avec ou soit la construction identitaire quand les écoles ont défini ça, évidemment. Un constat, quand on a un petit groupe de travail qui travaille sur le lien avec les écoles francophones, puis là-dessus, on a tout du monde plus intelligent que moi, là. On va dire que c'est pas difficile à trouver, là, mais on a Nicole Bugeaud qui est là-dessus, on a Brigitte Kopelnicki de l'Ouest-Nolette, puis on Mireille Péloquin. On essaie de voir comment on pourrait faire un meilleur lien avec les écoles francophones. On a commencé un peu avec le rêve de dire que ce serait le fun d'avoir un fonds dans chaque école systématiquement. Mais une conclusion qu'on a rapidement atteint, c'est qu'on s'est dit, il n'est pas logique de penser qu'on pourra vraiment avoir des fonds à chacune des écoles. Il y a des écoles où ce que les parents n'ont pas le moyen de donner 100 000 pour la construction identitaire, comme on a réussi à faire avec Saint-Jean-d'Arc, par exemple. Il y a des écoles qui ont des besoins qui sont vraiment plus immenses. Puis on se questionne encore beaucoup sur comment est-ce qu'on peut aider davantage ces écoles-là. Peut-être que le rôle de la fondation là-dedans, ce n'est pas d'essayer de solliciter de l'argent pour créer des fonds, mais d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider à redonner puis à aider dans ces écoles-là spécifiquement. On a un constat qui est quand même important, c'est que même dans les écoles qui ont des fonds, c'est même si on a un beau fonds d'une centaine de mille à Sainte-Jeanne-d'Arc, il y a des familles dans Sainte-Jeanne-d'Arc qui ont aussi des besoins. C'est comme ça dans toutes les écoles. Même les écoles qui ont des fonds, il y a des familles qui ont des besoins, qui sont assez urgents. Puis ça, c'est un constat qui est sorti du groupe de travail. On disait avec la pandémie, on a vu beaucoup de besoins de familles qui sont sortis des écoles. Un constat aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, les conseils scolaires sont bien placés pour recevoir et redistribuer de manière confidentielle l'aide à des familles dans le besoin. Parce que c'est un des grands défis qu'on a présentement à la Fondation, c'est de trouver des bons mécanismes pour redonner et s'assurer que ça va aux bonnes places. Plusieurs de nos organismes en francophonie n'ont pas de numéro de bienfaisance, on ne peut pas le redonner directement. Par exemple, FJA, la Fédération des aînés, on est en train de travailler avec eux autres pour aller chercher des numéros de bienfaisance, mais ils n'ont pas ces éléments-là, même l'Institut Lacombe, etc., etc. Les conseils scolaires peuvent recevoir de l'argent et peuvent redonner et ont aussi la capacité de bien connaître la clientèle. Vous avez du personnel qui est en relation directe avec ces familles-là, avec les jeunes. Alors, en général, les enseignants, les directions d'école connaissent les familles qui sont dans le besoin. Alors, ce qu'on souhaite, puis c'est vraiment nos souhaits, c'est sûr, on s'est dit que chaque école un jour ait un fonds de dotation pour aider sa construction identitaire et que les écoles qui produisent des finissants aient également des fonds de bourse. Ça serait le fun qu'il y en ait partout. Au Manitoba, ils ont fait ça, à un moment donné, systématiquement, ils ont créé des fonds dans toutes les écoles. Que chaque conseil mette en place un fonds central pour venir en aide aux familles dans le besoin de ces écoles. On espérait un jour qu'on puisse travailler avec les conseils à ce niveau-là. Puis juste, que pour avoir un impact grandissant, les fonds qui s'adressent au système scolaire francophone continuent de grandir de plus en plus. J'ai un petit élément qui s'est ajouté depuis la présentation qu'on a faite où Tania était, c'est que il y a un intérêt. Depuis le début de la Fondation, on parle beaucoup de construction identitaire, on parle beaucoup notre message a beaucoup été « qu'est-ce que vous avez à cœur dans la francophonie? » Créer un fonds par rapport à ça.
de plus en plus, on se rend compte qu'il y a aussi un besoin sur. On veut aider et on est prêt à le faire en français. Donc, il y a des gens qui ont. Ils aiment bien la francophonie, mais ce n'est pas nécessairement ce qui les rejoint le plus, mais qui veulent aider, qui seraient prêts à le faire en français. Comme mon propre président a créé un fonds pour la santé mentale, parce qu'au-delà de la construction identitaire, de la culture, tout ça, de plus en plus, les gens nous regardent pour dire, OK, comment est-ce qu'on peut aider les gens qui sont dans les besoins plus fondamentaux? Puis un exemple de ça, c'est que on vient de recevoir un don d'une dizaine de mille pour aider les familles dans le besoin. J'ai parlé de ça avec une de nos donatrices. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, ça me rejoint. Oui, je suis prêt à faire un don d'une dizaine de mille par année jusqu'à sa mort. C'est pas quelqu'un qui va vivre plus qu'une vingtaine d'années, je pense. Mais priez pour qu'elle reste en vie, parce que si c'est 20 ans, ben, ce sera 200 000 qui pourraient adresser cet enjeu-là. Alors, on est bien content de ça, mais on a parlé avec le groupe de travail. On s'est beaucoup questionné sur qui pourrait être le meilleur partenaire pour redonner ça. Et on est revenu heureusement ou malheureusement pour vous, on est revenu au conseil scolaire en disant que ça reste le partenaire le plus solide pour voir comment est-ce qu'on peut adresser les bénéfices nets de ça. Donc, on est à la recherche d'un partenaire qui serait intéressé ou de partenaires qui seraient intéressés pour utiliser cet argent-là à la meilleure fonction possible, soit créer un fonds ou des fonds dans ce sens-là, pour promouvoir et faire grandir ces fonds-là, puis s'assurer que ça redonne de façon à bien aider les familles dans le besoin. On a envoyé d'ailleurs une lettre à la Fédération des conseils dans ce sens-là. Ça pourrait aller tout à un conseil qui est intéressé à faire quelque chose, ou ça pourrait être un conseil par année où on est ouvert. L'important, je pense, c'est que ça redonne aux familles dans le besoin. Alors, c'est ça. On voulait savoir si le conseil scolaire Centre-Nord voit la valeur ajoutée d'avoir des fonds de construction identitaire, des fonds de bourse. S'il croit qu'il serait pertinent d'avoir des fonds pour aider les familles vulnérables du conseil, s'il y a des mécanismes en place, si vous avez déjà des mécanismes en place pour offrir plus d'équité dans l'appui aux écoles de la famille dans le besoin, et sinon, est-ce que la création d'un fonds par rapport à ça pourrait être pertinent? On avait une idée un petit peu de fou aussi, on s'est dit, ah, ça serait fun que quand une nouvelle école, chaque école qui commence, tu sais, qu'il y ait un fonds qui se crée, puis que tous ceux qui sont dans le système scolaire, vous savez comment c'est dur de commencer une école, là. Puis on a espéré que s'il y a une école qui se crée comme ça, ben, il y a des dons qui puissent arriver d'un peu partout. Mireille Péloquin nous disait par contre que s'il n'y a pas de volonté localement d'avoir un fonds comme ça, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau. Il faudrait qu'il y ait une volonté locale, c'est sûr, en parler avec les gens qui commencent l'école. Mais s'ils sont intéressés, ça pourrait être un véhicule pour recevoir un encouragement de la part de tous les gens qui ont le système francophone à cœur partout en Alberta. Oui. Donc, c'est ça, comme suivi à la rencontre d'aujourd'hui, c'est ça. Faites-nous savoir ce qui vous interpelle. Je pense qu'il y a une période de questions, là, je suis prêt à parler de questions. J'ai 36 secondes, alors vous ne pouvez pas me poser de questions avant les 35 prochaines secondes. Merci, Joël. Je vais ouvrir la parole au conseiller de Jean-Daniel qui a la main levée. Vas-y. Ben, évidemment, merci beaucoup pour ta présentation. C'est très intéressant, puis... c'est sûrement quelque chose que les conseillers, on va se pencher pour les questions. Là. Je pense que ça pourrait être très avantageux pour la communauté. Je sais aussi que tout ce que vous faites, ça aide vraiment à rallier la communauté. Je l'ai vécu au niveau d'une école. Je le vis en tant que communauté. Alors, chapeau à toi et à toute ton équipe, parce que je pense que c'est un outil dont la communauté, maintenant, ne pourra plus se passer. Question par rapport aux écoles qui ont des fonds de dotation pour la construction identitaire. Peux-tu nous donner deux ou trois exemples de la manière dont ces fonds-là sont utilisés pour rentrer dans cette catégorie-là, s'il vous plaît? D'accord, OK. Oui, alors je te dirais que c'est vraiment à l'école à décider de la meilleure façon de le redonner. On a eu de la misère des fois à emmener les écoles à redonner parce qu'ils ne savaient pas exactement comment l'utiliser. Puis on disait, ben, même si vous n'avez pas besoin cette année, servez-vous-en parce que ça montre aux parents que ça revient. Les parents ont besoin de savoir. C'est quand Saint-Jean d'Arc, on a commencé, nous, on a donné personnellement 5 000 $ au fond. Ils n'ont jamais utilisé le fond. Mes filles, ils ne sont plus là, puis je disais, c'est un peu dommage. Alors, on invite vraiment les écoles qui ont des fonds de construction identitaire à les prendre et à les utiliser le plus publiquement possible. C'est-à-dire, payer la venue d'un artiste en résidence, mais dites-le, ça, c'est grâce au fond. Si vous avez besoin des frais pour le spectacle de Noël, dites-le au spectacle de Noël, ça, c'est grâce au fond. T'sais, utilisez-le le plus possible. Puis, on a dit construction identitaire parce que
Parce que le gouvernement provincial ne comprend pas c'est quoi construction identitaire. Tu peux effacer ça du vidéo si tu veux, là, mais en tout cas, ça, je pense pas que, je pense pas qu'ils vont jamais le financer. Tu sais. Fait que ça, c'est un élément. Puis parce que ça laisse ça très, très large, dans le sens où si pour une école, c'est d'acheter des t-shirts sportifs pour eux autres, parce que ça construit l'identité de l'école, c'est ça. Si c'est d'avoir une mascotte, ils peuvent aller chercher une mascotte. Si c'est de faire venir des artistes, c'est d'aller chercher des artistes. Si c'est d'acheter des livres, la bibliothèque. Je pense qu'il y a une école, par exemple, qui a acheté des livres. Saint-Jean-d'Arc, une année, a acheté des livres d'auteurs noirs, je pense, pour honorer toute sa clientèle. Fait que, tu sais, ça laisse vraiment une marge de manœuvre extrêmement large à l'école. Bon, ça répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Vas-y, Steve. Donc, j'assume que vous avez déjà approché des sociétés de parents de certaines écoles pour. Alors, ça serait les personnes les plus proches des. Puis qui ont le droit de toucher l'argent, si tu veux, qui ont le droit de gérer l'argent. Bien, il y a deux choses. Les sociétés de parents, on a approché, oui, assez relativement toutes les sociétés de parents, mais. Comme vous savez, il y a énormément de roulements dans les sociétés de parents. Ouais. On a même un guide sur notre site web sur c'est quoi avoir un fonds pour une école. C'est sûr qu'on essaye de garder ça à jour. C'est une job presque à temps plein. C'est pas toujours le récipiendaire, parce que pour être récipiendaire, il faut qu'il y ait un numéro de bienfaisance. Ouais. Donc, on peut pas toujours envoyer l'argent à la société de parents. D'ailleurs, on a conclu une entente avec le Centre Nord pour dire, OK, on envoie une partie de l'argent parfois au Centre Nord parce que de toute façon, les sociétés de parents font ça pour les écoles. Ouais. Ça fait que des fois, on l'envoie directement à l'école. Qui disent, OK, ça vient de la. C'est grâce au travail de la société de parents qu'on a levé le fonds, mais l'argent s'en va à l'école pour une cause de bienfaisance. Déterminer le mécanisme pour que ça. Pour que ça circule. Ouais. Puis, c'est pas extrêmement complexe pour une société de parents d'aller chercher le niveau de bienfaisance. Il y en a plusieurs en Alberta qui l'ont, mais pas tous. OK. Merci. Mais le niveau d'intérêt à travailler là-dessus n'est pas tous égal. Puis, je te dirais que des fois, ça vient, des fois, ça va. Si on voit qu'à un moment donné, l'école, ça arrête en un bout de temps. Oh, il arrive un autre groupe de parents, ils travaillent, ça remonte. La bonne chose, c'est que ça ne diminue pas. Merci. Ismaël, tu avais un commentaire? Je voulais juste dire merci beaucoup de la belle présentation que vous avez faite aujourd'hui, Demarlou. Chapeau. Merci bien. Merci, Ismaël. Puis merci à toutes vous autres. Je sais que vous êtes tous des donateurs ou que si vous ne l'êtes pas, vous allez l'être après ce soir. Merci beaucoup, M. Lavoie, pour la présentation. On a parlé des fonds de construction identitaire. Moi, j'aimerais revenir sur des fonds centraux que les conseils devraient mettre en place pour répondre aux besoins. On a toujours vu la fondation comme faussemée aujourd'hui pour du long terme. Quand on parle d'adresser des besoins, le long terme était peut-être un peu plus rapproché. Je pense que vous l'avez vu avec le campus Saint-Jean, vous avez fait une campagne puis les besoins étaient imminents. Pour que ça vaille la peine, combien qu'il faudrait commencer pour qu'un fonds de la sorte vaille la peine quand on évalue les besoins de la communauté, puis qu'est-ce qu'on veut remettre? Parce que j'imagine qu'on ramasse 10 000, on ne veut pas donner 10 000. Le fonds, on veut le bâtir, on veut le construire. Alors, ce serait quoi la hauteur du montant qui serait nécessaire? Merci. C'est une bonne question. Tu sais, puis ça appartient un peu à la Fédération des conseils. Est-ce qu'on fait un fonds pour l'ensemble de la province? Est-ce qu'on en fait un par conseil? Il ne faut pas que ça soit compliqué. T'sais. Dans le sens, nous, on se disait, je pense qu'à mesure que ça grandit, on peut établir des mécanismes peut-être un peu plus complexes. Mais si on a un premier 10 000, bon, mais si un conseil qui dit, nous, on va matcher ça, on a 20 000, on donne 700 $ en année. Mais 700 $ ce n'est pas des sommes immenses. Mais si on a un mécanisme très simple qui dit, vous informez les directions d'école le savent, on envoie des cartes de ses fouets à 7 familles de 100 $ durant l'année aux directions d'école qui ont, c'est un mécanisme qui est très, très simple. On a quand même aidé cette famille. C'est pas beaucoup en commençant, mais c'est un premier pas très, très concret avec un mécanisme très simple. T'sais, on se disait à un moment donné, ça prendrait un fonds comme ça, devrait financer toute une réflexion sur la santé mentale des écoles. Bon, un jour, si le fonds est rendu à 2 millions, on pourrait peut-être faire un forum sur la santé mentale et payer les ressources. On n'est pas là, mais il faut commencer à quelque part. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de l'intérêt. Il semble vraiment y avoir de l'intérêt. C'est hier. Lundi, j'étais à Calgary, puis je parlais avec Marilyn Magnan, qui est l'ancienne directrice de Maurice-Lavalée, puis avec sa fille Caroline, puis je parlais de cette idée-là, puis il dit « Ah oui, nous autres, moi, c'est quelque chose à laquelle je donnerais. T'sais, il me semble que nous autres, on serait prêts à aider, elle est en train d'aider avec le Franco-Sud pour essayer vraiment de faire un fonds, pour essayer d'aider les familles, parce qu'ils constatent les besoins, puis c'est très, très proche de la réalité. J'en parlais avec un membre de mon CA qui me disait « Ben, tu sais, oui, ça me rejoindrait en étant conscient que peut-être que mon école est privilégiée, mais je pourrais donner pour l'école d'à côté. » C'est d'essayer d'emmener les gens à voir un peu plus large que je donne juste pour mon école ou pour la bourse que mon école va profiter. Si on dit ben, c'est par conseil ou c'est pour l'ensemble des écoles francophones, j'ai l'impression qu'il y aurait un intérêt. C'est sûr qu'il
C'est comme tout, ça prend de l'éducation, ça prend peut-être une campagne, ça prend peut-être ça prend certainement de la communication. Il n'y a personne qui donne si on ne demande pas, puis il n'y a personne qui donne à un fonds qu'on ne connaît pas. Là. Mais si on établit des systèmes en place, puis qu'avec ça, on dit OK, les gens savent que oh, ça, c'est une façon d'aider vraiment les familles qui en ont besoin. Comme je vous dis, la construction identitaire, c'est bien, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Les bourses, il n'y a absolument rien de mal là-dedans, mais de plus en plus, on sent chez nos donateurs le besoin d'aider à un niveau plus fondamental. C'est la base de la pyramide de Maslow, les gens qui ont des défis de santé mentale, des gens qui ont des problèmes à boucler les deux bouts, les gens qui ont des défis à vivre. Fait que je pense que ça, en tout cas, ça serait une piste intéressante. Puis si on regarde les grosses fondations, ils ont ça aussi. Les grosses fondations, ils ont un fonds pour l'éducation, puis ils ont un fonds pour la santé globale. Alors, des fois, des gens disent, on a sorti dans la terre, ils nous ont dit, ben moi, je vais donner pour l'éducation. Présentement, quelqu'un me dit ça, puis je me dis, OK, c'est quoi pour l'éducation? On a 32 fonds qui touchent les écoles un peu partout, les bourses, puis tout ça. C'est quoi? Tandis que tu dis, bon, on a un fonds plus général au niveau de l'éducation. Pour être, plus on va avoir des fonds généraux, je pense, plus on va réussir à rejoindre de plus en plus de gens, j'espère. Par rapport à ta question, d'autres questions en commentaire pour Joël? Merci, Joël. Évidemment, concernant le suivi de rencontre, on ne donne pas de réponse aujourd'hui, mais il nous fera plaisir de t'envoyer un courriel. Pas de problème. Merci beaucoup de votre travail. Moi, j'ai des filles qui ont et qui profitent encore du système. Alors, merci bien pour tout votre travail. Bon, me conseiller, c'est bien apprécié. C'est moins long de faire une présentation que de s'y juste conseiller pendant 5 heures. C'est des réunions publiques, tu veux rester? Merci. J'avais quelque chose pour ça. Je vous laisse. Merci. Bonne soirée. Point 6, adoption des procès-verbaux. Point 6, dans vos cahiers, est-ce que je peux avoir une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire centenaire du 23 février 2022? Étienne? OK, c'est beau. Tous en faveur? Tous en faveur. OK, point 7. Question découlant des procès-verbaux, page 7 à 15 dans vos cahiers. Donc, 7.1, demande d'ouverture d'une école à White Court. Le conseil élu a reçu une demande d'ouverture d'une école, d'une nouvelle école à White Court de la part d'un parent en mars 2021. À notre réunion ordinaire d'août 2021, le conseil élu a confié le mandat au directeur général de développer un rapport préliminaire sur le nombre potentiel d'élèves qui pourraient profiter de l'ouverture d'une école francophone à White Court. Monsieur Lessard, je vous invite à présenter votre rapport. Merci, Madame la Présidente, et bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez mentionné, nous avions reçu une demande de parents de la région. White Court fait partie du territoire du Centre-Nord. Et on est heureux de vous présenter un rapport préliminaire. Rappelons que le contexte de la réunion du mois d'août, c'était un rapport préliminaire qu'on cherchait. Donc, on a pris en compte, évidemment, quelques éléments d'analyse en termes de contexte. Premièrement, White Court est vraiment dans une région isolée. Là, l'école la plus proche est Citadelle à 165 km. Donc, c'est clair qu'il n'y aurait pas une possibilité d'amalgamer ou d'aller avec une école déjà existante. Du point de vue français, dans la région, il y a deux écoles d'immersion qui existent, qui appartiennent au système catholique. Et on a pu voir qu'il y avait environ, d'après ce qu'on comprend, on avait une centaine d'élèves qui sont inscrits dans ce programme d'immersion-là. L'analyse du recensement de 2016 tient compte à peu près des projections qu'on pouvait faire à ce moment-là et qui s'étaleraient jusqu'à environ 2031. Donc, on figure environ entre 184 et 272 élèves là, qui pourraient éventuellement s'inscrire dans une école dans cette région-là. Évidemment, les données du recensement de 2021 qui seront disponibles à l'automne prochain seront probablement plus authentiques et plus réelles là, par rapport à la situation actuelle dans la région de White Court. On a des sites scolaires, ben en fait, on en a un qui existe dans la région. Il n'est pas développé encore, il est identifié pour présentement le système catholique. Je pense qu'il serait partagé. C'est presque ce que je comprends de mon collègue Marc, que je remercie d'ailleurs, et Laura aussi m'avoir aidé à accomplir ce rapport.
L'allocation des sites se fait habituellement après l'annonce de financement provincial. Donc, c'est pas mal la norme dans plusieurs de nos régions. Donc, une fois qu'on aurait une allocation d'argent fournie par le ministère pour la construction d'une nouvelle école, à ce moment-là, on approcherait la municipalité. Nous, on a pris pour acquis aussi que ce ne serait pas une école de démarrage, mais bel et bien une école permanente là, qu'on démarrait. J'y vais à partir des informations qu'on avait reçues du conseil aux parents. Donc, le parent aussi, dernièrement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a ajouté, bonifié sa demande avec une dizaine de signatures d'autres personnes de la région francophone qui cherchent aussi une école. Donc, c'est venu un petit peu renforcer la demande qu'ils avaient faite. Donc, c'est là qu'on est présentement pour l'étude préliminaire. Il y a un certain bassin potentiel, d'après ce qu'on peut voir avec les informations qu'on connaît présentement. Toutefois, je pense que l'administration suggérait de peut-être à revoir les données à partir des résultats de l'automne prochain pour regarder quel en est-il d'un portrait un peu plus juste, plus authentique de la situation actuelle. Soulignons aussi que White Cork figure sur le plan d'immobilisation du conseil scolaire centre-nord. Alors voilà, Madame la Présidente et chers conseillers, le rapport qui s'inscrit dans 3.1, politique 3.1 sur la planification financière et budgétisation et 3.7, réaménagement de la communauté scolaire. Merci, M. Lessard. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vas-y, Jean-Daniel. Bien, évidemment, merci à toute l'équipe pour ce rapport-là. Puis, je note que je suis heureux de constater qu'il y a des parents de la région de White Cork qui ont des intérêts à vouloir établir une école dans notre secteur. Donc, ça, je suis vraiment heureux, puis on devrait tous l'être. Puis, merci à ces parents-là là, qui ont fait les premiers pas. Je suis content de nouveau vocabulaire qu'on utilise, qu'on a comme marre d'avoir des écoles de démarrage. Alors, on parle de mettre sur pied des vraies écoles quand on décide de construire dans une communauté. Alors, les gens qui nous écoutent, vous allez voir que c'est un langage qu'on va utiliser de plus en plus souvent. Et puis, je comprends, je réalise suite aux non-annonces immobilières et de terrain et de rénovation que nous n'avons pas eues lors des dernières annonces provinciales, qu'il manque encore plusieurs pièces au casse-tête avant d'arriver à l'ouverture, mais je comprends qu'on veut continuer à faire du travail dans l'objectif d'avoir un jour une école à White Cork. Merci, Jean-Daniel. Monsieur, je suis d'accord avec toi. M. Tremblay, si je peux peut-être ajouter aussi, j'aimerais vous dire qu'on a contacté la municipalité de White Cork pour leur mentionner qu'on entreprenait ce genre de démarche-là de cueillette de données à ce moment-ci, puis aussi de nous inclure dans les conversations sur, par exemple, la location, le développement urbain dans la municipalité, pour qu'on soit impliqué davantage dans le futur. Et mes deux collègues du système catholique et public de la région sont aussi informés qu'on a eu cette demande-là. Donc, je pense qu'on essaie de se faire connaître aussi dans la région, en même temps qu'on développe notre banque de données là, par rapport à White Cork. Merci, M. Lessard, pour cette démarche. D'autres questions, commentaires? Jean-Daniel, vas-y. C'est plutôt un commentaire pour rassurer tous les gens qui souhaitent dans leur secteur une nouvelle école, une rénovation, une modernisation, que dans notre plan d'immobilisation, rappelons-nous que pour le moment, une école dans la région de White Cork se situerait en 11e position, alors à peu près, là. C'est pas adopté encore, mais elle est loin. Oui, considérant la quantité de projets qu'on reçoit annuellement, elle est assez loin dans la liste. Et les gens qui sont plus en haut de la liste, sachez que ça nous ne fera pas dévier de notre objectif de combler nos besoins prioritaires en premier. Ça va. Bien, je tenais à remercier l'administration pour le travail qui a été fait. Ma question, je pense que Robert l'a abordé un peu là, dans sa réponse, c'est vraiment les municipalités, parce que la plupart des rencontres politiques que nous avons eues en dehors du conseil scolaire, quand on parlait des écoles francophones, souvent des nouvelles villes qui accueillent de nouvelles écoles, les maires semblaient vraiment fiers
du savoir que les francophones de leur région, de leur ville, ont leur école et que ça participe vraiment à booster un peu la vie de leurs écoles. Donc, un partenariat, des échanges avec les maires, c'est vraiment encouragé. Ils peuvent être des appuis très importants dans ces genres de demandes-là. Et puis, voilà, on en a toujours besoin. Et donc, félicitations d'avoir pu contacter ces autorités-là qui, ma foi, je pense que dans un futur qui soit proche ou lointain, pourraient influencer la naissance d'une école dans cette localité. Merci, Giscard. D'autres questions, commentaires pour M. Lessard? On doit recevoir son rapport. Est-ce que je parle en proposition pour recevoir? Oui. Vas-y, Steve. Je propose que le conseil élu reçoive le rapport préliminaire sur la demande d'ouverture d'une école à White Court et confie au directeur général le mandat de confirmer les données recueillies dans le rapport avec celles du recensement 2021 et d'en faire un rapport au conseil élu. Est-ce qu'on peut rajouter d'en faire un rapport au conseil élu une date ou juste pour la générale? Oui, ben novembre. Madame la Présidente, si je peux me permettre, c'est qu'on n'a pas encore une date exacte au moment auquel on recevrait les données du recensement. Donc, je vous inviterai à peut-être ajouter dès que possible. Ce serait peut-être la ça façon de le faire. Bien, si ça convient, Steve. Dès que possible. Dès que possible. Merci beaucoup. Tout en faveur. Ah. De l'amendement et la proposition. OK. Du tout. Oui. OK. Merci. Giscard, tu avais levé la main? Oui. Non? Non, mais tu es en faveur? Oui, merci. OK, vas-y, Étienne. Juste pour te rappeler de mon nom, Madame la Présidente, au cas où. J'ai une question pour M. Lessard par rapport au procès-verbaux des choses qui découlent. C'est la proposition qu'on a adoptée 43-21-22. Alors, vous la connaissez par cœur? Non, je vais vous la lire. C'est par rapport à entamer les démarches pour évaluer la faisabilité de vendre le site scolaire de Legal à la CFA de Centralita en fonction des paramètres sanctionnés par le ministère de l'Éducation. Je veux savoir est-ce qu'il y a des suivis qui ont été faits à ce jour ou c'est quoi le calendrier des démarches par rapport à ça? Ah, ben, j'étais pour l'aborder un petit peu plus tard dans le rapport, mais je peux certainement vous en parler maintenant. Je peux vous dire que nous avons entrepris des démarches avec le ministère de l'Éducation pour disposer du, pour les informer là, qu'on veut procéder à la disposition du site. Donc, cette démarche-là est entreprise. Nous avons aussi communiqué avec le président de la CFA régionale pour l'informer que c'était une possibilité d'acheter le site scolaire qu'on avait discuté. Donc, on attend des retours de la part du ministère à ce point-ci, puis on va procéder une fois qu'on a ces confirmations-là pour le restant des démarches. Merci, Étienne. Et M. Lessard, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur ce point 7? Donc, point 8, j'aurais besoin. Ah, avant d'aller au point 8? Oui, alors, point 8, j'aurais besoin d'une proposition pour aller avec toi, s'il vous plaît. Non, on va le faire au début. OK. Merci, Steve. Est-ce que nous sommes tous en faveur? Tiens, merci beaucoup. Tous en faveur, Laura. On vous revient bientôt. Est-ce que je peux avoir proposition pour sortir du huis clos, s'il vous plaît? Ismaël propose. Est-ce que nous sommes tous en faveur? Étienne, Jean-Daniel? En faveur. Merci. Point 8, études des politiques se trouvent à 16 et 17, mais sont en soupli dans vos cahiers. Donc, 8.1, plan d'immobilisation 2023-2026. Politique. OK, excuse-moi.
politique 3.7 et aménagement des communautés scolaires. Le Conseil scolaire Centre-Nord est extrêmement déçu qu'aucune de ses demandes immobilières, notamment celles concernant les écoles Gabriel-Roy et Michael-Jean, n'a été incluse dans le plan d'immobilisation de la province en 2022. Plusieurs de nos écoles ne sont pas en mesure d'offrir des expériences éducatives véritablement équivalentes à celles des écoles anglophones et des écoles d'immersion. Et comme nous le savons, la Cour suprême du Canada précise que les francophones ont le droit à une expérience éducative véritablement équivalente à celle offerte aux anglophones et en immersion, là où le nombre le justifie. Le CSCN continuera de revendiquer le droit de ses élèves actuels et futurs d'accéder à une éducation francophone véritablement équivalente et à cet effet va confier le mandat au directeur général d'explorer d'autres avenues qui dépassent la revendication pour avancer le dossier des immobilisations du CSCN. On aimerait faire une mise à jour du plan d'immobilisation 2023-2026. Donc, le CSCN a fait une profonde refonte de son plan d'immobilisation en 2021 pour commencer à mettre en œuvre les retombées de la décision de la Cour suprême du Canada de juin 2020. Par conséquent, l'administration suggère de conserver l'ordre des priorités établies par le conseil élu l'année dernière et de faire les mises à jour nécessaires aux documents d'appui pour la soumission au ministère de l'Éducation. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, on fait toujours cette mise à jour en mars qui doit être soumise au ministère avant le 31. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport au plan d'IMO? Voici Étienne. Merci, Madame la Présidente. C'est scandaleux. C'est le mot qui me vient en tête quand je vois les annonces qui ont été faites en immobilisation, quand la ministre s'est fait preuve un peu de petitesse d'esprit quand on mentionne qu'on a eu des écoles ces dernières années et qu'aucune mention d'écoles francophones ont été annoncée. Surtout qu'on annonce en grande pompe des investissements pour les écoles à charte. On semble avoir de l'argent quand c'est des écoles à charte, mais quand c'est les droits des francophones, il n'y a pas d'argent, puis on en a eu ces dernières années. Je pense qu'on semble oublier qu'il y a un rattrapage à faire historique au sein du Conseil scolaire Centre-Nord, au sein du Conseil scolaire Franco-Sud, au sein du Conseil scolaire Centre-Est et au sein du Conseil scolaire Nord-Ouest. Je pense qu'on se serait attendu à au moins une annonce d'au moins un projet francophone dans le dernier budget. Puis je pense que oui, on a nos priorités. Vous avez nommé Gabriel Leroy et Michael Jean, également l'école boréale, qui est également un bris de la charte. Mais on se serait quand même réjoui d'avoir eu au moins une annonce, même si ça ne va pas être au Conseil scolaire Centre-Nord. On prêche pour l'ensemble de l'éducation francophone. Puis c'est vraiment pathétique. C'est encore un mot qui me vient en tête parce que non, c'est navrant. Je ne sais pas. Ben oui, je le sais. Il y a peut-être un enjeu électoral qui s'en vient. Peut-être que ça l'a joué. Je ne sais pas. Ça, c'est une présomption que j'ai moi-même par rapport à ces annonces-là. Mais j'étais convaincu qu'on avait réussi à bâtir ces dernières années une bonne relation avec la province. Oui, on a eu des projets ces dernières années, mais on ne peut pas justifier de ne pas en donner parce qu'on en a eu dans le passé. Ça fait combien d'années que l'école Gabriel Roy, mon homologue qui était directeur à l'école à l'époque, et Michael Jean attendent. La province ont financé des plans pour voir si c'était faisable d'avoir une école, des plans d'architecture. Ils ont mis 150 000 $ dans le projet. Quand on parle de readiness du projet, il est là. Mais ils ont financé 11 projets, dont 4 ou 5 plans d'architecture. Alors, encore une fois, très décevant, scandaleux. Trouvez des objectifs, puis ajoutez des si vous voulez, mais moi, c'est ma perception. Merci beaucoup. Ben, moi, comme Étienne, je suis très déçu aussi qu'on n'ait pas eu d'annonce. Ça fait plusieurs années qu'on a quand même une bonne relation avec le gouvernement, puis on a eu certains succès, mais on a un rattrapage à faire. Puis deux, avec le jugement de la Cour suprême en Colombie-Britannique. En tout cas, moi, ça me démontre que notre gouvernement ne comprend pas ce jugement-là, comment il fonctionne ou qu'est-ce que c'est supposé apporter. Donc, on va devoir travailler sur notre démarchage un peu plus. Peut-être travailler sur notre démarchage, mais c'est pas la bonne façon de le dire parce qu'on a travaillé très, très fort depuis la mise en place de ce nouveau plan pour présenter. J'essaie de penser combien de rencontres qu'on a eues, puis ça doit être une quarantaine là, en un an.
Vas-y, Jean-Daniel. Ben, moi, je regardais notre réunion du mois de mars. Là, cette réunion-là, dans le passé, j'avais hâte. Je la regardais avec optimisme parce que, justement, j'ai vraiment le sentiment que l'équipe administrative, les conseillers scolaires, on a vraiment fait tout ce qui était en notre pouvoir pour vraiment faire comprendre à ce gouvernement-là les besoins qu'on a qui sont criants, qui sont en retard depuis plusieurs années. Et puis, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'on entend aux nouvelles, bien, il y a plein de choses qui me déçoivent dans ce dossier-là, mais quelque chose qui me fait titiller encore plus, c'est qu'on entend souvent d'autres conseils scolaires, d'autres présidences des conseils scolaires en ville qui se plaignent de ne pas avoir eu de projet. Alors oui, je suis vraiment déçu pour eux. Mais une chose qu'il faut réaliser, c'est que nous, on représente deux conseils scolaires, un conseil scolaire public et un conseil scolaire catholique. On n'a eu aucune annonce de chaque côté et on le sait qu'on a un écart absolument phénoménal. C'est pour ça que dans notre plan d'immobilisation, on a tant de projets qu'on propose au gouvernement parce qu'on veut diminuer cet écart-là. C'est ça notre objectif. Alors, c'était une très, très grande déception. Et je me demande si... Je crois qu'il y a un message derrière le fait qu'aucun conseil scolaire en province a eu un sou de ce gouvernement-là, même après un jugement historique de la Colombie-Britannique. Alors, j'ai comme l'impression qu'on est en train de jouer un jeu, qui est un jeu très sérieux, mais comme si on nous envoyait le message, OK, comment vous allez réagir maintenant? Alors, je pense qu'on commence à passer à travers les options offerte à nous, là, tranquillement, pas vite, et puis il va falloir vraiment considérer d'autres options dans un avenir très court. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai été à la fois surpris et choqué par cette annonce-là. En fait, manque d'annonce, si j'ose dire, parce que j'ai vu... tout le travail qui a été abattu par la direction et le conseil scolaire quand je suis arrivé en poste. Et ça présageait de beaucoup d'espoir pour donc avoir au moins des financements au niveau des écoles francophones. Ça n'a pas eu lieu, mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est l'effet même de voir qu'aucune école francophone dans toute la province n'a bénéficié de quelque chose, c'est-à-dire c'était délibéré. Et je pense qu'il y a une stratégie sûrement derrière à laquelle il faut répondre définitivement. Quelle sera la bonne manière? Je pense que tous les acteurs doivent s'attendre à ce que chacun utilise ses armes pour pouvoir défendre ses intérêts. Et moi, je suis dans la position de pouvoir montrer et toute notre déception au gouvernement en place et montrer aussi à la communauté francophone que leur conseil scolaire est activement disposé à travailler dans ses intérêts. Vas-y, Ismaël. Par rapport au plan capital, on remarque que ce qui est proposé, c'est très sensible, similaire à la dernière année. On retrouve notamment Michael Jean et l'école Gabriel Roy en haut de la liste, ce qui m'amène personnellement à m'excuser aux parents de Gabriel Roy et Michael Jean. À quelque part, s'ils n'ont pas eu leur école aujourd'hui, même si on dit qu'on a fait tout notre travail, peut-être qu'on a... On n'a peut-être pas fait assez, alors je leur présente mes excuses. Également, on voit que l'école Boréal se retrouve également en haut de la liste, encore une fois cette année. À eux aussi, je voudrais m'excuser qu'on n'ait pas réussi à concrétiser leur projet.
Je vais laisser peut-être mes collègues parler des autres priorités qu'on retrouve dans le plan d'immobilisation qui va être disponible une fois adopté sur notre site web et qui est déjà présenté à l'écran et qui est très similaire à l'année passée. Là. C'est un copier-coller presque. Merci. Merci, Étienne. J'apprécie que tu veux t'excuser aux communautés scolaires. J'apprécie ça, mais je ne pense pas que c'est nécessaire. Je sais qu'ils savent qu'on a tous fait le travail, qu'on est juste un joueur, que c'est vraiment le gouvernement qui décide les prix de qui financer, mais j'apprécie vraiment. Puis je pense qu'eux aussi l'apprécient. Jean-Daniel? Oui, je continue le tour de table. Alors, oui, comme je disais en début de discours tantôt, je suis déçu de voir que notre plan d'immobilisation, on répète un peu ce qui s'est passé l'année passée. J'aurais aimé voir des changements majeurs. Et aux parents de ces écoles-là qu'on n'a pas obtenu, je vous promets qu'on continue à travailler activement et intensément pour être certain que ces choses-là vont bouger le plus rapidement possible. Moi, je pensais juste à aller de l'avant, puis de même si c'est le même, plus ou moins que l'année passée, aller de l'avant et faire la proposition pour le plan capital. Et puis. OK. Alors, est-ce que Giscard, tu avais un autre commentaire ou? J'aimerais seulement dire que si il semble que c'est le même plan d'immobilisation, c'est parce qu'il a été profondément réfléchi et qu'il répond donc aux besoins de la communauté francophone. Et ce n'est sûrement pas la raison pour laquelle nous n'avons pas eu du financement cette année. Donc, voilà pourquoi nous relançons encore ce même plan et puis nous espérons avoir les meilleurs résultats. Bon, mais je propose que le conseil élu adopte le plan d'immobilisation 2023-2026 tel que présenté et demande au directeur général de soumettre celui-ci au ministère de l'Éducation selon les échéanciers prescrits. Une question avant? OK, vas-y. Peut-être, je ne sais pas si M. Lessard, je sais que le plan, on dit qu'il est presque à 95% similaire à celui de l'an passé. Est-ce qu'on pourrait présenter le changement et où exactement pour ceux qui nous écoutent? Oui, c'est dans la partie sur les écoles de les nouvelles constructions. Alors, on avait un item qui s'appelait Edmonton, école de quartier. On l'a juste retiré pour le moment parce qu'on voulait être un peu plus précis dans ce qu'on demande. Alors, il était plus vers le bas de la liste. Et donc, on a retiré celui-ci. On a aussi remonté le bureau central, bien que ça peut être aussi perçu comme un besoin opérationnel. À la fois opérationnel et à la fois sur le plan d'immobilisation. Donc, c'est à peu près les deux changements là, majeurs qu'on remarque ici par rapport à l'année passée. Mais pas le restant, là, l'ordre, je dirais, de ce qui commence la liste qui descend presque. Parce que ce que je vous parle, c'est vraiment plus vers le bas de la liste. Et je ne sais pas combien il y en a, 15-16 projets là, qui sont dans les écoles de les nouvelles constructions. Donc, c'est vraiment le bas là, qui a été modifié, mais le restant demeure identique. Puis je pense que le plan représente également, on voit à l'écran que c'est seulement les nouvelles constructions, mais à la page suivante, on parle également où on voit l'école boréale, c'est au niveau des modernisations, il y a le tableau des remplacements, et etc. Alors, c'est selon les paramètres établis par la province qu'on avait développé ce plan-là l'année passée et qu'on respecte cette année. Les cinq catégories, oui. Peux-tu juste relire la proposition pour ceux qui nous écoutent, s'il te plaît, Steve? Oui. La proposition, c'est que le conseil élu adopte le plan d'immobilisation 2023-2026 tel que présenté et demande au directeur général de soumettre celui-ci au ministère de l'Éducation selon les échéanciers prescrits. Merci. Est-ce que nous sommes tous en faveur? Nous sommes tous en faveur, Laurent. Merci beaucoup. Steve, oui? Oui. Bon, maintenant, qu'on n'a pas rien enlevé dessus. Moi, je me demande un petit peu là, qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici. On a émis un communiqué de presse pour laisser savoir qu'on était déçus de ce qui s'était passé, de ne pas avoir de construction, pas juste nous, tous les conseils francophones aussi. Et puis là, je me demande si on ne devrait pas regarder pour quelle sorte
les prochaines étapes à partir d'ici. On a déjà discuté un peu là, pendant le premier tour de table. Là, la plupart des points ont déjà repassé. Là. Moi, je proposerais de faire une proposition un peu plus musclée, une demande un peu plus musclée à notre administration. OK, d'accord. Merci, Steve. Est-ce que vous avez des questions, commentaires pour Steve sur ce qu'il vient de demander? J'ai hâte d'entendre ta proposition, mais j'espère que dans cette proposition-là, ça va vraiment démontrer qu'on veut être un peu plus mordant, puis que c'est important là, maintenant que le gouvernement réalise qu'on est totalement insatisfait, puis on est prêt à aller fortement défendre les droits des francophones pour le Conseil scolaire Centre-Nord, mais aussi pour les francophones en Alberta. On a toujours fait ceci, mais je pense que c'est le temps d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que s'il n'y a pas de questions ou commentaires, peut-être tu pourrais lire ta proposition et après on pourrait faire un tour de table s'il y a des questions. Bon, mais je propose que le conseil élu confie le mandat au directeur général d'explorer toutes les avenues possibles, incluant les avenues juridiques, pour faire avancer les dossiers des immobilisations et du financement du conseil scolaire Centre-Nord. Vous avez des questions, commentaires ou vous êtes en faveur? Tous en faveur? Levez la main. Tous en faveur? Merci beaucoup. C'est des excellentes nouvelles pour nos communautés scolaires d'entre-nord. Point 9, question à l'étude du Conseil élu catholique. Donc, 9.1, communication et appui, 9.11, ACSTA. C'est ton tour, Steve. Avec ACSTA, depuis notre dernière réunion ordinaire, mais aujourd'hui, il y a eu une rencontre informelle. C'était pour voir deux candidatures pour le nouveau poste de DG avec ACSTA. Puis j'ai eu une urgence médicale. J'ai pas pu assister à la rencontre. Je vais recevoir un résumé, donc je vais vous revenir là-dessus à la prochaine réunion avec le nouveau DG du ACSTA. Et puis l'autre chose que j'aimerais mentionner, le 31 mars, on a un AGM spécial. Pour l'adoption du budget. Et puis, je vais être présent. Je pense qu'Étienne aussi s'est déjà enregistré. Puis, Giscard, je n'ai pas vu si c'était enregistré ou pas, mais on va être bien représenté pour cet AGM-là. Fait que c'est tout ce que j'ai pour la CSTA. Excellent. Merci. Tu peux enchaîner avec 9.1.2, comité de l'archevêque Smith et des présidences des conseils scolaires catholiques du diocèse d'Edmonton. Vas-y, Étienne. Oui, alors j'enchaîne suivant le commentaire de Steve. Alors, la prochaine rencontre avec l'archevêque Smith sera le 21 avril prochain. Alors, il y aura rapport à notre rencontre probablement de mai. Ton micro est fermé, Madame la Présidente, merci. Mais je vais enchaîner avec le rapport des comités des noms des écoles catholiques. Le comité s'est réuni au début du mois de mars pour développer un peu une stratégie à venir dans les prochaines semaines. Alors, notons qu'il y a une présentation qui est prévue au courant du mois d'avril avec le personnel de l'école Père Lacombe, qu'on va présenter notamment la biographie d'Albert Lacombe. Le conseil scolaire Centre-Nord a communiqué avec l'archevêque pour poursuivre la conversation relativement au changement de nom possible de certaines écoles. D'autres contacts ont également été établis avec des experts des questions des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour obtenir leur participation. Puis le comité va également tenir des sessions d'information avec les parents et l'ensemble de la communauté autour de l'école Père Lacombe. Et on a bon espoir d'avoir une recommandation à présenter au conseil d'ici la réunion du mois de mai, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Robert. Oui, je voulais juste rajouter que Mgr Smith aussi, lorsqu'il a été approché, on lui a demandé son avis, puis il nous a rédigé une lettre que je viens juste de recevoir aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de la lire encore, mais je pourrais donner suite avec le comité. Là. On voulait avoir son avis sur toute la question. Jean-Marc, j'ai besoin d'un nouveau micro. Merci.
Non, on ne commence pas la réunion complète. Non, c'est correct. Communication et promotion 10.3, les portes ouvertes des écoles avant bien et la promotion pour le recrutement continue. Des visites virtuelles pour quelques écoles CCN ont été créées pour permettre aux familles de voir nos écoles sans devoir s'y rendre en personne. À Camrose, des cartes postales seront livrées au domicile de la ville dans les semaines à venir. Que d'autres ajouts? Vas-y, Jordania. Donc, on est encore dans les visites virtuelles cette année. Il n'y a aucune visite en personne pour les portes ouvertes de nos écoles? Ça se peut que ça change. Je pense que ça change, en fait, avec les changements de restrictions. Il y a déjà des écoles qui vont offrir la possibilité de se rendre sur place. Donc, et je crois que c'est peut-être déjà même commencé. Ça serait bien, peut-être, si je peux enchaîner sur le même sujet, là, peut-être pour notre prochaine rencontre, avoir, je pense que vous le faisiez d'habitude, là, mais je serais curieux de voir l'achalandage si on est rendu au niveau qu'on était juste avant la pandémie. Et souvent, ça nous donne un peu une indication, peut-être des nombres qu'on pourra avoir l'année suivante. Merci. D'autres questions, commentaires sur ce point? 10.4, comité des finances et comité de vérification, pas de mise à jour. 10.5, comité de gouvernance et des politiques. Donc, le comité de gouvernance et des politiques aura une réunion le 28 mars pour avoir des révisions aux politiques. 1.12, rémunération des conseillers scolaires. Une nouvelle politique sur la désignation des écoles du CCN. 3.7, réaménagement des communautés scolaires et des modifications mineures au règlement de procédure. Les modifications seront présentées au conseil élu à la réunion du mois d'avril. Questions, commentaires? C'est beau. Point 11, rapport de surveillance. Sans objet, aucun rapport de surveillance sur le plan de travail. Okay. Point 12, communication et appui. 12.1, rapport de la présidence. OK, donc on a, pour le mois de la francophonie, on a eu plusieurs rencontres ce mois-ci. Donc, on a rencontré, je vais nommer qui on a rencontré, puis après ça, je vais vous parler de ce qu'on a parlé. Là. Donc, il y avait le 14 mars, Tani Yao, le député de Fort McMurray, Wood Buffalo. Le 18 mars, rencontre avec le ministre Nally, député de Morinville-Saint-Albert. J'ai comme l'impression que j'en ai manqué, là. Il n'y en avait pas deux le 18 mars. Okay. Le 21 mars, Sarah Hoffman et Marie Renault, ainsi que Garth Roswell, député pour Vermilion, Lloydminster et Wainwright. Il y avait Cyril Turton, député de Stony Plain, et il y avait Jackie Lovely, député de Camrose. Et qu'est-ce qui était le fun pour ces rencontres, c'est que plusieurs étaient en personne à la législature, donc c'est la première fois en deux ans qu'on pouvait rencontrer des leaders politiques. Évidemment, on a parlé, j'en parle souvent là, à chaque réunion, de qui nous sommes, donc un conseil scolaire francophone qui offre une éducation de très haute qualité à plus de 3800 élèves dans 19, bientôt 20 écoles. On représente des écoles catholiques et publiques. On a parlé de financement, on a parlé des opérations dans nos écoles qui ont besoin de on a parlé d'opérations d'écoles qui ont besoin de rénovation. Et que l'offre de programmation des petites communautés présente des grands défis pour les finances du CCN. On continue à travailler avec Alberta Education afin de proposer des solutions mineures. On a parlé de l'article 23, de l'historique de l'éducation francophone, du jugement de la Cour suprême 2020, des différences entre l'immersion et le francophone. C'est toujours pertinent de leur en parler parce qu'ils c'est toujours une question qu'ils nous posent presque à chaque réunion, puis on demande, ça s'en vient dans notre présentation. Le plan d'immobilisation, évidemment. Nous avons eu plusieurs bonnes rencontres, très productives, je dirais, puis on a eu d'autres rencontres un petit peu moins productives avec des gens qui avaient des connaissances très limitées sur le dossier de la francophonie. J'ai pas nommé avec qui j'avais assisté à ces réunions, mais si vous étiez présent à une des réunions. Oh, Brad Rutherford, merci Laura. Brad Rutherford, le 18 mars, député pour Beaumont-le-Duc. Des questions, commentaires de mes collègues? Merci à vous d'être venu avec moi. C'est très gentil. C'est le fun d'être en personne.
C'est bon? Vas-y, Jean-Daniel. Ben, tu sais, moi, j'étais heureux de savoir qu'une de nos rencontres était quelqu'un qui siégeait sur le Conseil du Trésor. Donc, c'est une voix qui est importante pour nous. Alors, puis il l'a mentionné à plusieurs occasions. Alors, j'espère que ses paroles vont nous aider à changer des paroles en action. C'était une des réunions positives, je pense, qu'on a eues avec M. Nally. Il était très ouvert à nous entendre et à comprendre. Puis, comment on le sait, c'est qu'il posait des vraiment bonnes questions. Donc, ça, c'est toujours c'est toujours bon. Par mes mots. Donc, c'est bien. D'autres questions, commentaires ou ajouts? C'est bon? OK, ben, c'est tout pour moi, pour mon rapport présent. 12.2, rapport de ASBA. Vas-y, Jean-Daniel. Oui, ASBA, Alberta School Board Association. Je sais qu'on a plusieurs acronymes. C'est bon de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est tous les d'autres conseillers scolaires en province qui se réunissent régulièrement. Alors, on avait une rencontre le 25 février dernier. Et puis ça, c'était peu de temps après l'annonce du budget provincial. Alors, ASBA, les membres d'ASBA, puis l'exécutif était content des augmentations annoncées en éducation dans le budget provincial et ils étaient en attente d'obtenir plus de détails à ce moment-là. À ce sujet, le funding manuel devrait être mis à jour avant la fin mars parce qu'il y a quelques petits changements. Et sur un autre point, actuellement, la ministre de l'Éducation, Mme Lagrange, recrute des élèves pour le Student Education Council et je sais qu'à chaque année, on avait des étudiants qui siégeaient sur ce regroupement d'étudiants en province-là. Alors, les nominations sont acceptées jusqu'au 25 mars. On nous informe également que l'utilisation de nos fonds de réserve, j'imagine que l'équipe administrative est au courant de ça, là, mais les fonds de réserve, si c'est nécessaire, il semble que le transfert est assez facile, et pas facile, mais facilement autorisé par le ministère. L'exécutif d'ASBA nous a présenté un rapport de plaidoyer, ce qu'ils appellent Advocacy Report. Donc, il y a vraiment trois points sur lesquels on fait beaucoup de démarchages et de discussions. Évidemment, l'intégration du nouveau curriculum, les écoles à charte. D'ailleurs, on a soumis des réponses à des questions qui avaient été passées. Alors, merci beaucoup à l'équipe du Conseil scolaire Centre-Nord d'avoir fourni nos réponses à ce regroupement-là. Évidemment, budget et financement. Les sondages du ministère de l'Éducation sont sortis, donc les dates limites pour les compléter le 25 mars. Notre équipe ici est bien au courant de tout ça. Les parents qui nous écoutent vont probablement recevoir des choses par la poste. C'est vraiment utile de compléter ces sondages-là parce que ça indique beaucoup, c'est des indicateurs importants pour le conseil scolaire dans l'amélioration de ses services. J'ai assisté au mois de mars, j'ai oublié la date, mais à ce qu'on appelle le Coffee Conversation sur l'implantation du nouveau programme, le nouveau curriculum en Alberta, parce que c'est un des points qui préoccupe beaucoup ASBA. Et on s'est penché sur deux questions, c'est vraiment intéressant parce qu'on fait comme des sous-groupes, il y a beaucoup de discussions, puis il va y avoir un rapport qui nous sera envoyé, à ce moment-là je pourrais le partager avec vous, mais... Première question, c'était en se concentrant sur notre objectif final d'améliorer le bien-être de nos élèves et de notre division et en nous concentrant sur notre rôle en tant que gouverneur de nos conseils scolaires dans la mise en œuvre du nouveau programme, que devrions-nous faire en tant qu'administrateur pour atteindre, préserver, éviter ou surmonter les obstacles dans nos conseils scolaires et nos communautés? Donc, il y a eu une discussion autour de ça. J'ai présenté des commentaires, j'ai écouté les commentaires des autres. Et la deuxième question qui nous était présentée, c'est quelles sont les principales forces en jeu qui renforcent et ou entravent nos efforts pour atteindre nos objectifs? Alors, comme je vous l'ai dit, quand on aura eu une espèce de rapport sur tous les commentaires qui ont été émis, je le partagerai avec vous. Et sur ce, je vous dis que notre prochaine réunion d'ASBA est ce vendredi en version hybride. Et ce rapport-là est disponible. Ce que je viens de vous lire est également le procès-verbal officiel. Fin de mon rapport, Madame la Présidente. Merci, Jean-Daniel. C'est toujours des beaux rapports. Questions, commentaires? Merci, c'était très complet. 12.3, rapport de la FCSFA. Vas-y, Étienne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il faut savoir que ce que Jean-Daniel vient de
de commenter par rapport à son rapport, c'est les rapports de zone, zone 2, 3, ASBA, une zone régionale. Parce qu'également, il y a également ASBA au niveau provincial. Et vous avez eu la chance, Madame la Présidente, à titre de présidente de la Fédération, avec M. Réginald Roy, de je peux peut-être vous laisser parler de cet élément-là. Vu qu'on parle d'ASBA, allez-y. Vas-y, c'est ton rapport. Moi, j'en ai fait rapport lors de la réunion de la FCSFA comme présidente, donc c'est à toi de faire le rapport. Alors, la fédération des... Il faut savoir qu'à ASBA, il y a une nouvelle présidente qui est Marilyn Dennis, une nouvelle vice-présidente, Shelly Basioc, et ils ont rencontré les divers conseils scolaires en Alberta, et ils ont eu la chance de rencontrer Mme Saumur et le vice-président Réginald Roy le 7 mars dernier. Alors, cette personne... Je crois que, selon les dires de la présidente de la Fédération, ça a été une excellente rencontre qui a vraiment permis de leur présenter l'éducation francophone. Ils ont beaucoup appris lors de cette présentation-là, qui pour nous est une présentation routinière, mais pour eux, ça a écarté les yeux puis ça leur permet de découvrir de nouveaux aspects. Elles ont même suggéré que chacune des zones reçoive une présentation similaire pour informer nos homologues anglophones de zone de c'est quoi exactement l'éducation francophone. Il y a également eu un rapport de la Fédération nationale, j'y reviendrai plus tard. Lors de notre rencontre, on a également, comme vous le savez, c'est le mois de la francophonie, l'équipe FRAB. Alors, la Fédération aussi s'est mise au travail. On a rencontré Sarah Hoffman, députée de l'opposition, critique en éducation, et Marie Renault. On a également eu la chance de rencontrer Dan Williams le 8 mars dernier. Plusieurs dossiers ont été avancés avec lui et il a brandi la carte, encore une fois, qu'il était relativement nouveau en poste, mais là, ça fait depuis décembre qu'il a été nommé. Alors, la carte devrait changer dans les prochaines rencontres. Une lettre de suivi sera envoyée par la Fédération pour s'attendre à avoir des échanges concrets. Oui, il a reçu la même présentation qu'ASBA. Merci de me clarifier ça, Madame la Présidente. La Fédération a déterminé les lauréats des prix Forget et Yami de l'éducation. Il faudra être parmi nous le 9 avril 2022 pour le découvrir. Alors, j'invite mes collègues à vous inscrire au colloque 2022. Vous avez reçu l'invitation. Alors, c'est les quatre conseils scolaires. Tous les conseillers se réunissent à Edmonton. Étant donné qu'on est hôte, c'est toujours bien de faire un bel acte de présence. C'est le samedi 9 avril et dimanche 10 avril. Et le prochain CA de la Fédération est le 8 avril. Ici à la Cité francophone. Également, Madame la Présidente, il faut savoir que le 16 mars dernier, j'ai reçu par la poste une lettre qui confirmait que j'avais été reconduit comme représentant de la Fédération au Conseil consultatif de l'Alberta en matière de la francophonie. C'est le CCAF, comme on l'appelle, avec un autre acronyme. C'est pour évaluer la politique en matière de francophonie. Fait à noter que le terme est un mandat de 2 ans jusqu'au 24 février 2024. Il est possible pour la Fédération, après un mi-mandat, de déléguer une autre personne s'il le souhaite. Bien, félicitations. C'était une très bonne nouvelle, Étienne. Non, je faisais des faits à Jean-Marc parce que quand tu parlais, je pense que tu faisais juste parler trop proche dans le micro puis ça faisait... En tout cas. Très emballé par ta présentation, c'est très bien. Veux-tu enchaîner avec 12.4? Oui, alors au niveau de la Fédération nationale des conseils scolaires, on a eu un rapport qui est également dans nos dossiers, dans les pages 18 à 24. Il faut savoir qu'au niveau national, on travaille déjà, ou la Fédération, il faut savoir que notre représentante de l'Alberta, c'est Sylviane Maisonneuve du Conseil scolaire du Nord-Ouest. Alors, on parle déjà de l'éducation qui doit être au cœur du plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. C'est la dernière année du plan actuel en éducation. La Fédération nationale chiffre un rattrapage financier au niveau de ce palo-là de 695 millions de dollars supplémentaires sur 4 ans qui est nécessaire. Ils ont également fait une activité virtuelle que Mme Saumur apprécie beaucoup, c'était de la représentation politique avec différents élus fédéraux, alors députés, sénateurs et autres représentants. Ça a été évidemment en mode virtuel cette année, malheureusement. Alors, ça sera important peut-être ou intéressant de revivre l'expérience en personne l'an prochain. Il a également été abordé la question du congrès 2022, dont le thème sera l'article 23, 40 ans déjà, pour un caractère réellement réparateur. Alors, le congrès devrait avoir lieu au Yukon à la fin du mois d'octobre, dépendamment de
tout ce qui se déroule au niveau pandémique et vague peut-être à venir et autres, qu'est-ce qui arrivera l'automne prochain, mais c'est en présentiel au Yukon qui est prévu. Et le reste des rapports, vous pourrez consulter ce qui a été fait au niveau national dans le document en annexe dans le cahier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai très hâte. Peux-tu juste vérifier mon micro encore, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires des conseillers pour la FNCSF? C'est bon. 12.5, rapport des conseils d'école. Est-ce qu'on a eu des rencontres en mars, me semble? Oui, au début mars. Ismaël et Steve, allez-y. Ah, oh, bien, on est, Ismaël et moi, on est allés rencontrer, on est allé rencontrer le conseil de parents d'école à la découverte. Et puis, ils ont très hâte à leur nouvelle école. On a fait la présentation comme d'habitude, mais je n'ai pas besoin de vous dire, je pense qu'on a passé assez vite au niveau de du plan d'immobilisation, étant donné que leur école est presque prête. Donc, moi, la grosse question que j'ai retenue, c'est qu'ils m'ont redemandé. Je sais que l'année passée, quand on est allé le visiter, ils avaient parlé de projets communautaires. Et puis, une des questions qu'ils nous ont demandé, c'est comment nous, on voyait leur future école. Et puis, j'ai trouvé ça une bonne question. Puis, j'ai un peu ramené ce qu'ils avaient amené l'année passée. Tu sais, ils regardaient à faire un jardin à l'école, impliquer la communauté pour l'entretenir, puis tout ça, pour faire un gros projet communautaire. Puis, c'est un petit peu comme ça que je les vois. Ils sont tous très enthousiastes avec la nouvelle construction. Puis, à part de ça, y avait-tu d'autres choses, Ismaël? J'étais pas mal tranquille comme réunion. Moi, la première fois, Juste un instant, on a un problème de micro là. OK. Il y a comme flashé plus. Peut-être qu'il est correct là. Merci. Désolé tout le monde qui nous écoute. Oui, je disais juste qu'on est super heureux pour cette communauté qui va avoir leur école en septembre. Donc, on est très hâte d'aller la voir. Oh, puis je vous ai parlé aussi des changements de route possibles qu'il allait avoir, étant donné que l'école va être à une différente location, à un différent endroit. Donc, il va y avoir quelques changements là, aux heures de fréquentation, mais que les parents allaient être appelés individuellement. Puis que ça allait être. Fait que je n'ai pas rentré dans les détails, mais je les ai prévenus que ça s'en venait. Parfait. Question ou commentaire? Oui, vas-y, jusqu'à. 18 parents, c'était au-delà du conseil des parents qui sont venus participer ou. OK. Ça dépend de leur statut réglementaire. Comment? Oui. Oui, c'est bien. Souvent, il y a là qui est pas d'accord, puisque le conseil d'école et la société de parents, c'est deux groupes complètement différents. Et souvent, les réunions sont le même soir pareil, puis ça fait des nouveaux groupes. Je referme encore. Donc, on est juste plus habitué à nos micros, on est habitué avec la souris, là. On attendit. OK, super. 12.6, est-ce qu'il y a un rapport de T-Boss, moi aussi, Steve? Je l'ai déjà présenté dans le huis clos. OK, merci beaucoup. 12.7, c'est encore ton tour, le caucus rural. Le symposium rural qui a été cancellé, qui avait été d'avoir un jour mené dans le mois de. Et puis, ils ont mis une réunion à la fin du mois de mars, 31 mars, une réunion virtuelle pour tout le monde du caucus rural. Parfait, merci beaucoup. Des questions pour Steve? 12.8, est-ce qu'on a des rapports de conseillers? Est-ce que vous voulez rapporter quelque chose dans notre communauté? Vous avez participé à quelque chose pour tes communautaires? C'est bon? Pas rien? OK. On a le calendrier des événements des conseillers.
OK. Donc, le Joint Use, Joint Meeting Saint-Albert, le mardi 10 mai de 17h30, confirmation. On n'a pas besoin de parler de ça ce soir, mais j'aimerais qu'on appelle pour les représentations entre le 1er et le 31 mars, s'il vous plaît. Vas-y, Étienne. Que le conseil élu adopte le calendrier des événements des conseillers scolaires du 1er au 31 mars 2022. Et nous sommes tous en faveur. Vas-y. C'est ça qu'on voulait faire ici? Non. Je veux dire que tout le monde peut être sûr d'aller sur le site. Bien, selon notre nouvelle. Nom, là. Bien, chaque conseiller doit aller remplir à côté de sa zone, puis nous, on les adopte. Puis il y a une belle vigie qui se fait, là, avec la présidente, puis Marc au niveau de l'administration. Donc, je pense que ça se déroule relativement bien. Et le 6 et 7 juin 2022 à Red Deer, et les représentants seront Jean-Daniel et moi-même. Est-ce qu'on a besoin d'une proposition pour ça, Laurent? Oui? Est-ce que je peux avoir une proposition dans ce cas, Étienne? Moi, j'aimerais aller aussi. Est-ce que tu peux me pondre une proposition, s'il te plaît, Étienne? Oui, alors que les participations du Conseil scolaire Centre-Nord au ASBA Spring General Meeting qui ont rendu les 6 et 7 juin 2022 à Red Deer, soit Jean-Daniel Tremblay, Daniel Sommer et Ismaël Osmanachi. Merci beaucoup. Nous sommes tous en faveur. Tous en faveur, Laurent. Bon, ben, je vais mettre mon micro a besoin d'un repos. Donc, 12.9, rapport du directeur général, M. Lessard. Heureux de vous laisser une petite pause, Mme la présidente, à vous et votre micro. Première chose, je voulais juste, M. Daigle a mentionné tantôt les zones de fréquentation à cause du nouvel emplacement de l'école à la découverte. Et suite à une deuxième analyse de ce qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines dans une autre rencontre, on aimerait apporter une modification à la modification. Donc, on s'est rendu compte qu'on serait probablement plus efficace au lieu de couper la zone sur la Yellowhead, d'y aller un petit peu plus bas sur la rue 111-112 et ça nous permettrait de garder plus d'élèves à l'école à la découverte qui sont déjà des élèves de cette région-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un grand écart entre les temps de transport, ce qui ferait en sorte qu'on équilibrait entre Gabriel Roy et le nouvel emplacement de l'école à la découverte. Donc, on la voit assurée, là, c'est la section qu'on aimerait juste vous présenter, qu'on va faire un ajustement, communiquer avec les familles sous peu, les informer. Et puis, c'est le transport présentement qui est très occupé à commencer à préparer la prochaine année scolaire. Il n'y a pas de question là-dessus. Je vais aller au prochain point qui est sur les bilans provisoires des plans d'amélioration continue. J'entreprends après la pause qui débute la semaine prochaine pour la plupart de nos écoles. J'entreprends ma tournée avec les directions d'école pour savoir où on en est avec les bilans provisoires du PAC. On vous invite à une belle rencontre avec les directions d'école. On reprend notre carrousel qu'on a dû mettre de côté au cours des deux dernières années. Alors, ce sera le 1er juin à mettre dans votre calendrier pour... super avec les directions d'école, mais aussi une belle conversation autour de l'amélioration continue dans nos établissements scolaires. Pour le niveau programme d'études, on en a parlé tantôt dans le cadre de ASBA, mais aussi il y a du travail qui se fait évidemment avec la dernière annonce où on a un peu déphasé des mises en œuvre des programmes d'études, de certains programmes d'études. Donc la mathématique, ce sera pour maternelle à troisième année maintenant, donc ce ne sera pas pour tout l'ensemble des niveaux scolaires, ce qui est une bonne chose. Et aussi pour l'anglais, ça sera 3 à montant, donc maternelle à troisième année pour le programme d'anglais. Étant donné que nous, nos cours d'anglais commencent habituellement
En troisième année, on va demander un changement pour mettre l'anglais l'année suivante. Donc, ça serait 3e à 6e année de l'année 2023. Si on suit la logique, là, étant donné que ce n'est pas annoncé pour l'année prochaine pour ça. Donc, c'est juste d'essayer de regrouper nos cohortes d'enseignants. Autrement, on aurait seulement la 3e année en anglais l'année prochaine dans nos écoles. Et éducation physique et bien-être sera pour tous les niveaux scolaires en 2022-2023. Donc, on est en préparatif présentement. On a un beau groupe d'enseignants qui nous aident à nous donner de la rétroaction. On a un plan qui a été avancé. On a justement demandé un petit peu qu'est-ce qui était le plus utile pour les enseignants, qu'est-ce qu'on peut faire pour les supporter davantage. Et puis, superbe rétroaction. On apprécie beaucoup les enseignants qui se sont engagés. Il y a aussi un sondage qui a été lancé à l'ensemble de notre personnel pour avoir une meilleure rétroaction. Donc, ça avance bien. C'est vrai que c'est serré un peu dans le temps. On a beaucoup de travail à faire, mais on est quand même bien organisé présentement. On continue la collaboration aussi avec nos collègues des trois autres conseils scolaires. Les rapports sur les projets en cours, ce mois-ci, on n'a pas grand-chose de nouveau à vous annoncer. Donc, on va vous garder la surprise pour le mois d'avril, si vous permettez, parce qu'autrement, ce serait répété un petit peu pour ce qu'on avait mentionné au mois de février. Toutefois, j'aimerais quand même vous dire que ça avance bien, les choses progressent comme prévu. On a aussi une mise à jour pour Claudette et Denis Tardif. On a finalement eu la confirmation que le projet serait P3, donc un partenariat privé public pour ce projet-là. Donc, la planification est déjà avancée. Donc, on est au point là, où on travaille avec chercher un constructeur et tout le restant qui va avec ça pour entreprendre ce projet-là. Donc, ça avance de ce côté-là. Et vous avez mentionné tantôt notre malheureuse nouvelle au sujet de nos élèves récemment. Je voulais juste quand même souligner, remercier le personnel de l'école de la mission, Alexandre Taché, tout le personnel de support du Centre Nord qui a donné un coup de main, la communauté scolaire pour l'appui. On a deux enseignants qui ont témoigné, on a des élèves qui ont partagé leurs sentiments lors des funérailles. Alors, ça a été quelque chose, d'après ce qu'on me dit, qui était solide, bien fait, avec beaucoup de classe et puis évidemment une condoléance à toute la famille. Oui, M. Lessard, par rapport au projet de l'école Claudette et Denis Tardif, si je comprends bien, un P3 est relativement problématique pour nous, exact? Ben, c'est difficile de répondre à cette question-là, de dire que c'est problématique. Il y a des avantages avec un P3. D'abord, il y a un constructeur qui s'engage à être comme un copropriétaire de l'édifice. Donc, il y a un engagement au niveau de l'entretien. Maintenant, c'est pour un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc, il y a cet avantage-là d'avoir quelqu'un qui va avoir un intérêt investi dans l'édifice. Donc, on a déjà vu qu'il y a des possibilités d'acheter de l'équipement qui va durer plus longtemps parce qu'ils sont responsables, par exemple, de faire le renouvellement d'équipement, des choses comme ça. Donc, il y a certains avantages qui sont là. C'est sûr qu'au niveau de la gestion comme telle de l'espace, on avait exprimé nos inquiétudes par rapport à cet élément-là. On a travaillé très, très fort dans les communautés francophones pour avoir la gestion scolaire de nos édifices. Vous en avez parlé avec beaucoup de passion ce soir par rapport à l'importance de nos édifices scolaires et d'être chez nous. Donc, il y a cet élément-là qui est toujours un peu moins évident. Toutefois, on nous indique qu'il y a eu des modifications faites aux ententes de partenariat par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Rappelons que nous, on en a un là, qui est à la Prairie, là, qui est un P3. Donc, d'après ce qu'on comprend, c'est une version revue et améliorée. Donc, c'est mitigé. Je dirais que notre préférence, on avait signalé notre préférence de vouloir ne pas être inclus dans les P3, qu'on considérait que la gestion scolaire nous positionnait pour justement être maître chez nous dans toutes les facettes. Mais quand même, je dois reconnaître qu'il y a certains avantages qui peuvent être là d'avoir un partenariat privé dans le décor. Mais si je comprends bien la lettre, M. Lessard, puis là, je regardais à droite, j'étais habitué de vous regarder à ma gauche, mais là, vous êtes en virtuel ce soir. Alors, la lettre, c'est que le ministre Panda dit on a reçu votre documentation, on est conscient qu'il y a peut-être certains éléments qui vous titillent. On va de l'avant quand même, puis on les réglera au fur et à mesure. Finalement, c'est comme une fin de non-recevoir qui nous présente. Et on va de l'avant, puis tant pis pour vous autres, vous allez devoir vivre avec cela. C'est un peu ça que je comprends.
Il y a un exercice dans lequel on ne fait pas vraiment partie, je dois vous dire, d'analyse si notre projet devrait être considéré dans un P3 ou non. Nous, on avait, avant même que cet exercice-là démarre, signalé notre inconfort à participer dans un P3. On voulait être, comme je vous expliquais, un peu plus autonome par rapport à notre édifice. Semble-t-il que l'analyse qui en a été faite fait en sorte que le gouvernement considère que c'est un P3 qui est la meilleure solution pour nous, tout en reconnaissant qu'il y aura des ajustements qui devront être faits puis des prises de conscience par rapport à notre réalité. Comment ça se traduit dans le concret, on a encore à voir comment c'est présent. Puis, dernière question, si vous me permettez, Madame la Présidente. Les projets qu'on a actuellement en cours, les autres projets d'infrastructure ne sont pas des P3. Là. Quand on parle de la découverte, 4 saisons, Citadelle. OK, merci. Citadelle avait été considérée, faisait partie d'une annonce où il était examiné pour être un P3 et le gouvernement a choisi de ne pas aller de l'avant, probablement parce qu'il n'y avait pas nécessairement un intérêt d'un partenaire privé. Je ne sais pas si on me pose une question, mais on n'entend rien de notre côté. Okay. Oui, je te pose une question, Robert, M. Lessard. Donc, il y a quand même la possibilité qu'il n'y en ait pas de partenaire public, privé qui s'avance et qui dise « moi, je t'intéresse à ce projet-là ». C'est encore possible, si je comprends bien. Ça pourrait être encore une possibilité qu'il y ait personne qui prenne, mais je pense que s'ils ont avancé de ce côté-là, c'est qu'ils croient qu'il y a de bonnes chances d'avoir un partenaire privé. Désolée, Robert, on a vraiment des problèmes de micro. Je pense qu'on n'est juste plus habitués après 2 ans. On va changer de système. Oui, c'est non. OK, d'autres questions, commentaires pour le point? Le point de M. Lessard? Il y en avait plusieurs. OK. 12.11, correspondance, page 34 à 38 dans vos cahiers. Donc, il y a une lettre de la ministre Lagrange, fonds pour des terrains de jeu. Lettre de la ministre Lagrange pour la modernisation de l'école Boréal. C'est une réponse à la lettre. Ah, OK. OK. Lettre de la ministre des langues officielles, réponse à la lettre de félicitations. Et lettre de Prairie Land Public School Division. Puis ça veut juste dire qu'il a envoyé une lettre puis il nous avait mis en copie. Donc, on la reçoit tous. Et c'est pour ça que ça se retrouve dans vos cahiers. Questions, commentaires? OK. 13. Il n'y a pas d'ajustement. C'est sans objet. Donc, 14. La prochaine réunion ordinaire aura lieu le 27 avril 2022 à la Cité francophone. Et Ismaël propose la levée de la réunion. Est-ce que nous sommes tous en faveur? Étienne? Merci. Non, tu veux jamais continuer la réunion. Nous sommes tous en faveur, Laura. Merci à tous pour votre écoute aujourd'hui et on se retrouve le mois prochain. Bonne soirée.